Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 101e épisode de Borderlands. Eh bien, quand il faut y aller, on était avec les nains, on était bientôt niveau 55. Donc je pense sans trop me tromper me dire qu'on sera niveau 55 à la fin de la mission. Et bah c'est parti, quand il faut y aller, je reprends mon Infinity. Oula, j'ai pris cher. Hop, hop, hop. C'est quoi que je viens de prendre dans la gueule? Bon, enfin, allez, c'est reparti. Il y a beaucoup de monde ici. Il y a un capitaine Or. J'aime pas ça. Ah, la mini-araignée. Je l'avais pas vue. C'est là. Si vous comprenez rien et que vous êtes épileptique, ne regardez pas cette vidéo. Le cadavre, il y a pas de chute. Le saut qui est juste. Non. Là, on est vraiment à un poil de cul du level. Quand je dis un poil de cul, c'est un petit poil de cul. C'est limite un duvet. C'est un duvet de cul là. Non, j'ai pas pu avoir la boule. Il me lance des trucs ou c'est quelqu'un qui vient de me prendre la main? Si je meurs, recharge-moi. Bon! Ça, c'est fait. Peut-être pouvoir avancer dans le jeu. Ça va être un épisode court parce que j'ai pas forcément la tête à faire un épisode long là maintenant tout de suite. Mais au moins vous êtes prévenus. Ça commence. Non mais elle va me one shot. Non, je peux pas faire. Faut pas déconner. Bienvenue dans l'emporium de la santé du Burzen. J'ai cru qu'elle allait me one shot cette scène. Hop là. En plus ça m'offre un level. Bon, et ben hop, level. Alors, il y a un truc que je devais débloquer par ici, c'était quoi? C'est ça qu'il faut que je débloque. Voilà. Et mes niveaux de brutasse, j'ai 6 jetons. 22 500 niveaux de brutasse, ça va. Cadeau de rechargement du bouclier, un peu plus. Dégâts des coups critiques, beaucoup plus. Dégâts coups critiques, encore un peu plus. Santé max, encore un peu plus. Rechargement du bouclier. Et que dans ce rechargement bouclier. Voilà. Bon, on sentait bien que j'ai pratiquement 10%. C'est very good, not bad. Hein. J'ai envie de dire que, comme on dit chez moi, est-ce que ça fait comme dans le Five, Arégène, les mares d'eau comme ça? Alors, le roi des nains. Ah oui, Brig va le défoncer. Et je vais devoir combattre les deux nains. Chaotic Evil Necromancer. Non. Vous êtes moins mauvais que moi, mais quand même, faut pas déconner là. Mon bon orc est en orc mort, c'est pas faux. Ok. Donc je vous rappelle, à chaque fois que je fais un mort, piège mort reste 5 secondes de plus. Alors ici c'est une zone avec énormément de monde. Je vais grandement aimer piège mort et mon bouclier et mon infinity. Ah, comme ça je vais régénérer mes grenades normalement. Donc le nain qui était là, il est mort. Ça c'est fait. Faites ça en XP par bonhomme, c'est quand même vachement bien. Tuer les orques envahisseurs cruels. Il y en a encore 5 à tuer pour avoir un peu plus d'XP. C'est pas perdu, on va dire. Méchant humain, c'est moi.
Ah putain, elle s'est accrochée sur lui. Oui, je suis un petit peu en stress quand, quand je vois que mon vieux joueur est juste porteur d'une grenade. Pourquoi personne n'a vous. J'ai remonté, non, les deux là, je peux me mettre. Voilà, et... Voilà. Je peux faire ça. Oh, bah maintenant on y va. J'ai des chutes de FPS horribles. Je crois que c'est mon nouvel écran qui fait ça. Et bien, je vous rappelle, deux écrans sont quand même faits. Vous baissez vos performances quand même de façon logistique. Je vais dire un truc, mais je vais pas le dire. Je vais le dire après. Oh, le seigneur de guerre là, je vais pas me le faire. Niveau 58, il est un petit peu trop haut pour moi. Je trouve. Oh, il me fait peur, il faut sauter comme ça. On essaye de se le faire. Non, on essaye pas de se le faire, il court vers moi. Il veut me faire des câlins. Ouh, il fait mal. Oh merde. Pourquoi ils sont tous 50, 60? Qu'est-ce qui a chié la table des rencontres là? Je veux pas combattre des ennemis niveau 60. Hein. C'était pas dans mon contrat. J'ai pas de contrat. Elena, aidez-moi! Aidez-moi! Il y en a qu'un tout qui est dehors! Ce soir, on va faire courir de sang, mon ami! Mes gars ont très envie de combattre! Yeah! Mais je suis mort en fait! Pourquoi est-ce qu'ils me suivent et pourquoi est-ce qu'ils sont aussi hauts, nous autres? Est-ce qu'on peut m'expliquer? Ah, 357, pourquoi ça ne gêne pas? 358, c'est un petit peu plus chiant! What the fuck? Je vois rien du tout, je crois qu'il y a un gros bug d'affichage. Je vois pas quand il y a un... Si je blesse des ennemis 54, non, je peux t'avoir toi? Non? Ok. Alors je sais pas d'où viennent les 5 mecs niveau 58 et 60 là, mais... C'est craqué, ils sont sortis du trou du cul de quelqu'un. Quoi? Je reviens au tout début, il n'y a pas de point de sauvegarde entre les deux? Et faut pas m'appeler con là. Non mais sérieux, il n'y a pas de point. C'est mal branlé ça. On se croirait sur Alice Madness Return. Ah, il y a un point de sauvegarde, mais il est au début du niveau. Et tous les ennemis repop. C'est pour ça que j'ai pas fait ce jeu là, hein, je vous le dirai. Faut pas déconner non plus. Alors là, j'en ai combien qui vont me sauter dessus? 3. Putain, mais je peux vraiment pas les passer, quoi. 4, 5. Non, c'est toi. C'est là où il y a des pancakes? Ouais. Ils sont coincés? Oh, profitons! Non, un piège mort, non? Bon, on va voir si toutes les grenades qu'on a. Hop, 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 tu fais quoi, toi? Je vais aller voir les morts. Putain, et puis ils courent super vite les mecs quoi. C'est craqué ça, monsieur. Je lui mets un pain. Mec, non, si tu lui parles, on peut... Mon poing dans la tronche.
Bon. Tiens, ça me fait penser que j'ai pas mis de chronomètre. Bordel, Brick. Maintenant, on va devoir se battre contre eux si on veut sortir d'ici. Impossible. C'était pas trop bon, quoi. Je vais aller... On va se fixer un point. Je sais pas, je vais voir. Je le fais au feeling. Donc voilà, vous aurez un épisode qui durera le temps que... Le temps que j'ai estimé. En plus, j'ai rien qui m'indique l'heure si j'ai mon téléphone. Ça doit faire... je crois que j'ai dit 10 minutes, là. Pour moi, c'est pas une saloperie de rampant. Hop, 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 hop. Et l'attaque de dos, là, ça fait pas, ça. C'est bâtard, ça. Ah, ouais. Oh, vous êtes méchant. Oh, vous êtes méchant, là. Ah, oui. Pas gentil, hein. Pas gentil. Méchant. Alors, voilà. Ah oui. Bon, bah, je vais chercher les lettres du code et puis... Au loin, vous apercevez un magicien esselé en travers du chemin. Il peut peut-être nous aider à sortir d'ici. Moi, je propose qu'on lui parle. Avec des mots. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Oh non! Encore un groupe d'aventuriers bien décidé à se débarrasser du beau sorcier. Vous n'y arriverez pas, vous savez. Soit vous mourrez, soit vous finirez asservi. Et je ne peux décemment pas vous laisser continuer votre quête présomptueuse. Mais je vais le tuer, moi. Vous ne passerez pas! Bon, merci. Et puis merde, ok. Mais tu vas si vous voulez vraiment faire un tour au château du sorcier, je vais marquer la sortie sur votre carte. Mais si vous mourrez, venez pas chialer que je vous avais rien dit. Parce que vous serez mort. La sortie est fermée. Par la magie des nains qui ferme les portes. C'est une super merde, magie. Alors, comment on sort d'ici maintenant? Vous savez, ce magicien s'y connaît peut-être en magie des nains qui ferme les portes. Oui, je vais le rattraper. Ouf. Ah oui, c'est là où je vais devoir passer un saut impossible et tout ça. Bon bah je crois que je... On va s'arrêter quand on aura trouvé tous les quatre... Les quatre trucs qui font le mot. Le mot, on le connaît tous. C'est P. Oui, c'est P. P comme un prout, quoi. Bonjour, espèce de nain. Attendez, je vous ouvre la voie. Avec ta magie des nains qui ouvre les portes. Portam, ouvre-toi. Ah ah, moi d'abord, moi d'abord. Faut que je récupère celle-là. En premier. Quoi, il m'a pas suivi ce con? C'est mon troisième type de magie préférée. Il va vous falloir le code secret des nains pour ouvrir la porte. Oui, ça, je vous allez devoir trouver des runes bizarres éparpillées dans la mine. Je parie que c'est les lettres qui forment le code secret. Il vous suffit de les trouver et vous pourrez sortir. J'en ai justement trouvé une l'autre jour, mais je vous la file pas. Vous avez qu'à trouver la vôtre. Hop, merci. Hey ça, c'est très cool. Oh, on dirait What que ça the... pour la lettre P. Non! Arrête de level up! Non, 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 non! Oh, c'était juste. Ah, il y en a un autre! Pourquoi est-ce que j'utilise de l'électrique contre de la pierre? Pourquoi j'utilise de l'électrique contre de la pierre? Ça peut être parce que je fais que des critiques, déjà. Une fois que le bouclier stun, je peux rien faire. Il a remonté le level. Voilà, il a régène toute sa vie. Merci. Merci. De toute façon, le point de sauvegarde en haut, il est juste à côté. Si je me souviens. Alors, il est pas loin. Alors, je sais plus. Ah, ouais, non, non, non. C'est cool. Trouver les lettres. La deuxième lettre, elle est où? Hop.
C'est la gâte, c'est la... faut que je passe par là-haut quand même. Hop, si j'appuie sur les bons boutons, c'est mieux. Pour les deux golems, là, je vais les passer sans trop de soucis. Donc oui, hein, j'ai dit, après ces quatre lettres, je vais voir la porte. Et roule. On fera des missions secondaires quand j'aurai bien avancé dans le DLC. Hein. C'est ultra productif en fait de jouer comme ça. Je bouge pas. Je clique sur ma souris, je me croirais sur Titan Quest. Ou sur Torchlight. Ils sont en train de se foutre sur les gars. Oh, c'est moi qui l'a récupéré l'XP. Même pas. Non, s'il te plaît, non. Aïe, j'avais dit non. C'est pas gentil. Aïe. Pourquoi est-ce qu'il saute comme ça? Hé, t'es un kangourou ou t'es un golem? Faudrait que je le slag. Allez, monte le point du slag. 2 à 3, je tire. Voilà. Le slagger fait tout de suite beaucoup de mal. Bam dans ta face. C'est nul. Quand je dis c'est nul, pour moi c'est un pistolet. Ok. Encore un. Non. Ok, il m'a pris. Je me casse. Il me suit. Non. Meurs. Saloperie de communiste. Aïe, c'était mal. Et piège mort qui disparaît. Enfoiré. Espèce de lâche. Aïe. Arrêtez de me taper, ça fait mal. On est plus à l'école, faut pas me taper. J'ai plus de goûter à vous donner. Aïe, arrêtez. Mon dieu! Recharge-toi, Slagger à la con de merde! Si je passe là, est-ce qu'il va essayer de me sauter dessus? Hein, t'es coincé, hein? Ah, tu fais rien! T'as l'air d'un noob, hein? J'attends que le Slagger se recharge, hein, comme d'hab. 1, 2, 3. Voilà. Il prend pas de dégâts! Ce serait pas mal une arme pareille, mais qui tire droit quoi. What? Eh, va falloir arrêter de monter le level. Bientôt j'ai plus le pouvoir de tuer. Ça va être vachement constructif de regarder un mec sur YouTube faire ça. Alors là il a tué 3 golems, ça a pris 4 minutes, c'est pas grave. Après il va devoir aller taper des nains, ça va reprendre 10 minutes. C'était chaotique. Non, merde, mais il apparaît d'où lui? Il repop à l'infini, c'est con quoi. On n'est pas sur un jeunesse, hein. Faut arrêter là. Après un certain nombre, tu t'arrêtes de pop. C'est après, je peux pas suivre. J'ai plus de balles moi. Oui, ok, c'est un infini. Et il m'a tapé. Ah. Mais comment vous voulez que je contre un golem en pierre de plusieurs centaines de tonnes qui me saute dessus? Eh, moi je dois faire 45 kilos. Faut pas déconner non plus. Y a bien un expert. Bon, mon flag est rechargé, mon bouclier est rechargé, piège mort n'est pas rechargé. Nous n'y pouvons rien. Cours. Alors. Je viens de regarder mon temps. Je suis à 19 minutes de vidéo à peu près. Donc je pense pas qu'on va avoir toutes les lettres. Ou alors il faudrait que je fasse des coupures pour pas avoir un épisode de 50 minutes encore. Parce que mine de rien, c'est très long le montage vidéo. Pour vous donner une ordre d'idée,
50 minutes de montage de vidéo, c'est 2 heures. Puis après la mise en ligne, on arrive au-delà de 6 heures. Donc, c'est pas vraiment gérable. C'est pour ça que je me fixe sur des moins de 40 minutes en général. Bon, là je me laisse encore à peu près 20 minutes pour finir. Après je ferai quelques coupures très certainement, si besoin. Si j'estime cela nécessaire. Vas-y piège-moi. Aide-moi parce que j'ai. En plus il y a un plein milieu du chemin l'enfoiré. Je sais que s'il se met à bouger, je vais en prendre plein ma gueule. Et voilà. Ah, pourquoi est-ce qu'il passe en golem de pierre déchaîné? Est-ce que ceux qui lisent les wikis assez souvent peuvent me dire si c'est parce que je tape dans leur sorte de cœur qu'ils ont... Ah, il a pas été slagué, enfin. Si c'est parce que je tape dans le sorte de cœur qu'ils ont... Ils passent au niveau comme ça, comme les Goliaths quand on leur retire la tête. Est-ce que c'est le même principe? Vayne, je compte sur toi pour me dire si c'est cela ou si juste on a rien à foutre et que voilà. Non, je sais qu'on n'a pas rien à foutre. Je le sens. De chez moi. Ah, merci les grenades. 500 d'XP, c'est bon. Mais bon, heureusement que l'XP se fait pas. Oh putain, il y en a un qui arrive. Comment il a disparu? Résultat, je sais pas ce qu'il y a dans le coffre derrière. Oh. Puis je vais pas voir. La merde. Ah oui, il va retaper le. Je vais devoir ouvrir le Rubik's Cube. Il y en a un pas loin. Je sais pas où. Je les vois pas. Putain! Mais pourquoi est-ce que j'ai pas mon piège mort là? Je pense pas qu'il va être accessible, hein. C'est. Non. What the fuck? Ah, il est très beau le sol. Il y en a eu 6 ou 7 là qui me sont tombés sur le coin de la gueule. Ça commence à faire un peu beaucoup pour moi. Surtout quand t'es en second souffle comme ça. Eh ben alors, on a foiré. On l'a pas foiré, on l'a annulé complètement. En fait. Parce que là, ça le faisait pas du tout. Je suis désolé, hein, mais. Oh, puis qu'est-ce que c'est long de marcher? Il devrait mettre des points. Faut pas mettre 3 points dans un niveau de sauvegarde. C'est chiant, quoi. Surtout quand il y a ça qui vous arrive dessus. Sérieux, quoi. C'est censé être une mission, ça. Qu'est-ce qu'il fout là? Bâtard, foiré! C'est une mission avec Claptrap. Je sais, je l'ai fait la dernière fois en multi. Ou pas en multi, je sais plus. Je l'ai déjà faite. En fait, quand il meurt, faut le tuer avec une. Faut lui donner la baguette que Claptrap nous a donnée. Voilà. Ouh, mais par contre, 1300 d'XP, ça fait très très plaisir. Bon bah résultat que la frappe, si je pouvais le faire rentrer, que ça l'aime. Ah, dommage. C'est vrai que la frappe ne tiendra jamais jusqu'au nain. Ah quoique. Oh peut-être. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être. Je n'en sais point. C'est lui qui a pris le boss. Mon bouclier s'il vous plaît, mon bouclier s'il vous plaît, mon bouclier s'il vous plaît. Ouais, enfin je vais pas faire ça 2 heures. Donc ça va arrêter de me gonfler. Il est parti où l'autre? Non mais change pas, tu vas mourir. Espèce de merde. Non, oh mais merde, laissez-moi me reposer 2 minutes. Non mais non quoi! Pourquoi est-ce qu'il fait... Puis c'est quoi ce bug? Pourquoi est-ce que je rentre tout de suite dans mon... Ah. Bon, on va se retrouver quand on aura passé ça. Et voilà, on est devant la... Tout au bout d'un parcours on est devant la dernière.
Tu vas devoir sauter. Donc j'ai galéré à passer. Les nains ils sont chiants. Alors, hop, activons. Tina, je crois bien que ton saut est impossible. Ok, autant pour moi. Je te le rends possible. Même là, il est toujours pas possible. Si autant que tu veux, il n'est pas possible, c'est cela. Alors. Hop. C'est nul. Horreur des trucs où faut sauter. Ok, Michouine, un pont magique débarque de nulle part et t'amène directement à la rune. C'est bon, t'es content? Ouais, je peux faire ça. Peu, mais... Allez, vous avez trouvé la lettre T. Voilà. Réjouissez-vous tant que vous pouvez. Il vous manque encore deux lettres du code secret. Putain, mais saute, connasse de merde. Bon, on se retrouve sur la prochaine lettre. Et on arrive sur la troisième. Vous êtes nez à nez avec un casse-tête de nain. Pour le passer, vous allez devoir faire carburer votre matière grise genre Adon. Mais non, je vais tout casser. Des casse-têtes impossibles, des nains poilus, des explosions à gogo, c'est trop cool! Alors. Je peux simplement maintenant le taper, ça. Vu que je connais, ça pourrait le faire, quoi. Voilà. Bon, on va faire des box. En attendant. Alors, j'ai réussi à passer, vous voyez que ma barre d'XP est quand même un petit peu plus haute que tout à l'heure. Tiens, il y avait une arme. Bon, ça a été au mépris de quand même pas mal d'argent parce que je suis mort plusieurs fois pour bien passer. On nous donne la solution maintenant, est-ce que je le défonce un petit peu? Il faut que j'attende vraiment qu'il fasse tout ça. Bon bah je sais qu'il faut que j'attende qu'il fasse tout ça. On va visiter. Pas grand chose, mais on va visiter quand même. Alors, c'est une mine nain. Déjà. Voilà, comme une mine nain, il y a de la lave qui coule. Sans problème. Une maxi tête de nain. Bon sang. Voilà. J'ai horreur des casse-têtes. Ah. Moi, je veux casser des trucs. Voilà. C'est comme ça que tu voulais qu'on résolve le casse-tête? Oui. Ouais. On va dire que ouais. Je suis pour. Ouvre-toi, ouvre ton porte. C'est la lettre E. Allez, plus qu'une. On se retrouve devant la dernière et gloute aux dents. On va aller le taper. Puis on va gagner. Et voilà, on est devant gloute aux dents. Enfin presque. Il est là-bas. Et bon, on va les tuer. Alors ce qu'il y a, c'est que la chope, la magique, c'est elle que je vais devoir éclater. Vous entrez dans l'antre de gloute aux dents, le nain. Le sorcier lui a lavé le cerveau pour le convaincre de régner sur la mine. Vous remarquez aussi des globes magiques chelous. C'est peut-être ça qui rend gloute aux dents si méchant. Allez, on active tout. Dans mon nom, vous allez crever. Ah ah, un combat de boss. C'est parti. Ouais, c'est parti, comme tu dis. Thank you.
besoin d'être sorti. Voilà. Je me sens bizarre. Vous avez brisé le joug du sorcier. Vous aimeriez je m'écarte parce que de cet horrible endroit. Il va me rattaquer. Gamin, donne la rune du code secret à nos sauveurs. Merci pour... Et là, attendez un peu. C'est toi le salaud qui a tué Ragnar le Libérateur. Non. Tu vas mourir. Voilà. Mais merde. En plus il est slagué, c'est génial. Alors là il va descendre à toute vitesse. C'est pas cool ça. Eh, arrête. Ta gueule. Hein. Et je mors, bouclier. Pas grâce à toi, mais merci. Et je mors, disparu. Merde. Wow, très mal, très mal. Vite, allons nous cacher. Comme les trois jeux que nous sommes. Non ! Fais apparaître un nain quoi, merde. On se retrouve quand on l'aura tué. Et voilà, on se retrouve quand on l'achève. Ouais, j'y étais au CC. Ça va tout aussi vite. Et puis moi, ça me fait changer un petit peu d'arme. Mais j'ai un gros bug. Pendant que je l'ai combattu, les sons se sont coupés. Donc, on n'entend plus le bruit de mes armes. C'est moche. Ah, mais j'y peux rien. Enfin bon, hop, on va aller chercher. La dernière rune, on va retourner à la porte et ça sera fini pour cet épisode. Bon, vous voyez quand même que j'ai fait pas mal de dégâts derrière, parce que quand il arrive bon travail, par là, vous avez trouvé toutes les lettres. Je tire dans le tas. Faut qu'on refasse tout le trajet à pied, c'est abusé. Ok, poulette. Voilà. Non, ça va. Ajoutez des portails qui brillent pour ça vous, les gros flemmards. Et ça. Tu nous as traité de calamars. Calamar. En tout cas, bande de calamar. Toi, ça me donne faim. Tu as toujours faim, mec. Alors, non, non. C'est cool, ça, encore être des coffres comme ça, va. Non. Alors, bon, dans les commentaires, ça ne servira à rien de dire... S-E-P-T, c'est ça 7. Qu'on doit remettre dans l'ordre. Ce serait pas 7, c'est 7, j'en suis sûr. Ça sert à rien de me dire tu as loupé. Tu as loupé. C'est pas ça le tel truc à tel endroit, mais c'est trop tard. Parce que après les épisodes, j'arrête le jeu, donc j'ai plus rien du tout. Et voilà. Les mecs, quelqu'un a dit P. C'est trop jeune comme blague. Voilà, bon. Encore tout gâché. On passe à l'autre. Donc moi je vous dis merci d'avoir regardé. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et sur ce, bah, n'hésitez pas à regarder les autres et abonnez-vous. Et au revoir tout le monde.